Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a Lohan qui est ici. Donc aujourd'hui, on est le 14 juillet et on va aller faire un footing. Donc là, on est sur la pré-saison de Lohan, on commence à le préparer physiquement. Donc pour sa nouvelle année là qui va commencer en août en U13. Et du coup, on court, il fait pas mal de sport, il a un programme. Et moi j'en profite pour courir avec lui. Donc là, c'est pour 30 minutes à peu près dans les bois. Et on va vous filmer, on va essayer de filmer un petit peu ça, même si on va pas trop s'arrêter comme ça, mais c'est parti pour ce petit vlog. C'est parti. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about, have your f***ing clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. Bon, les amis, c'est terminé. Ça va, Lohan? Ouais, ça va. Une bonne demi-heure de footing dans les bois. Et là, quand on revient au soleil, il fait déjà très chaud. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont annoncé 32. Ouais. Ah, tu vois, 32. Un peu de vent, là, ça fait du bien. Donc là, on va rentrer, s'étirer. Et puis, on vous reprend pour le reste de la journée. Tranquillement. Allez. On va aller s'étirer, Lohan. Boire de l'eau. Et puis force à ceux qui font des footings aussi. C'est pas facile, mais après on est bien. Allez. Bon les amis, là on a Lohan qui veut vous faire montrer quelque chose. C'est l'écharpe de l'équipe de France qui est signée par Kylian Mbappé, ouais. Et que Fatih nous a envoyé. Donc c'est Fatih, une abonnée, qui nous a envoyé une écharpe de l'équipe de France signée par Kylian Mbappé. Et on voulait la remercier, c'est très gentil. Lohan, il est très content. C'est là la signature. Et il l'a mis avec, regardez, tous ses trophées, tout ça. Voilà. Et après, on a. Oh là là, il y a quoi encore? Les médailles. Bon, il faut remplir le mur. Je trouve qu'il est vide. Ouais, j'essaie. Non. Donc voilà. Merci Fatih. Merci Fatih. Merci, merci. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, je suis pas lavée, donc je vais pas me montrer. Hein. On va pas montrer la tête, c'est bizarre dès le matin avec les cheveux en l'air. Donc du coup, regardez, je suis en train de faire à manger, je suis en train de faire des haricots verts du jardin. Là, Jérémy est en train de couper les oignons, pareil, du jardin. C'est tout jardin. C'est tout jardin. Ouais, c'est bien. Et avec les haricots verts, on va manger des steaks. Que je vais faire au air fryer. Non, les steaks, c'est pas du jardin. Regardez, les amis, je me suis fait mes ongles toute seule. J'avais envie de faire, donc je me suis fait mes ongles toute seule. Voilà. Et regardez, il y a quoi là? Là, c'est des bananes. Pas des bananes. C'est des patates douces. Je vais les faire au air fryer parce que la dernière fois, j'ai vu Grâce. Elle faisait au air fryer, donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer au air fryer. Et là, il y a du manioc. Et ici, il y a des bananes plantains. Donc, je vais tester ça. On va voir ce que ça va donner. Et ce soir, je pense qu'on va faire un barbecue. Nous sommes le 14 juillet. Je ne sais pas si Jérémy t'a dit. Bonne fête nationale à tous. Hein. Quand vous allez voir ce vlog, ça serait déjà passé. Mais bon, ici, Iliana, elle est lavée. Elle a mis sa petite robe. Voilà. Et là, il y a Elena, on dirait que vous êtes assortis ensemble, là, non? Ouais. On n'a même pas fait. Ouais. Et il y a le Minus, là, qui aura 8 mois demain, le 15. Donc, voilà, il fait plein de bêtises, mais sinon, il va bien. Donc, voilà, les amis, je ne sais pas ce qu'on va faire. Tout à l'heure, on va aller chez ma maman, là, cet après-midi. Donc, je vais voir. Et franchement, là, j'ai hâte de goûter les légumes du jardin, hein. Pour voir ce que ça va donner. Là, du coup, je laisse ça comme ça va cuire. Et après, je vais
faire avec les oignons, faire revenir avec les oignons, ail, et voilà, on verra bien ce que je vais faire avec ça. Donc voilà, du coup là c'est bon, c'est cuit, je vais les goûter. Bon les amis, du coup j'ai dû appeler vite fait Grâce là parce que je trouvais plus le vlog dans lequel elle faisait les patates douces, donc elle m'a conseillé de les couper comme ça, donc c'est ce que j'ai fait. Et température, je crois qu'elle avait dit légumes. Donc il faut que je ferme. Voilà, c'est mieux. Quand c'est éteint. En mode légumes, 150, 180. Ils disent là, ils disent 10 minutes. Je pense que je mets plus. Hein. Mets comme ça et on verra après, on va réadapter. Je vais mettre 190 pendant 10 minutes et je vais vous montrer le résultat juste après. Donc ici, bah là, Jérémy, du coup, il a mis les oignons avec le steak. Et là, je vais faire revenir les oignons pour faire les haricots. Donc voilà, les amis. Hein. Attends, regarde. Ah oui. Sous conseil de qui? Zineb, regarde, t'as vu Zineb, on t'écoute, hein. J'ai été chercher ça dans un magasin exotique qui s'appelle Tia. Ouais. Du coup, bah, je pense qu'avec ça, j'en aurai un peu plus longtemps normalement. C'est pas plus cher, hein, en plus. Hein. C'est combien? Même pas. Entre 1 et 2 euros à chaque fois, les sachets. Ouais. Mais voilà, quoi. C'est des sachets de... C'est combien de grammes, ça? C'est du... 100 grammes. Du 100 grammes, il y a 110 grammes. Donc voilà. Eliana, elle va goûter la patate douce. Oui. Vas-y. Parce qu'elle aime pas grand chose, cette petite, quand même. Hein. Arrête de faire genre, c'est sucré. Je veux pas goûter la patate normale. Allez, mange tout là. Mets tout ça dans ta bouche pour voir. On n'a pas beaucoup, Lily. Hein. C'est très bon. Allez là, mâche. C'est de la purée. Re-coucou les amis. Donc là, du coup, on se retrouve beaucoup plus tard. Il est genre, parlons de 16, il doit être 16h à peu près, moi aussi. Il est 16h. Donc du coup, là, on a mangé, on s'est reposé, tout. Là, on va aller faire un tour chez ma maman, là. On va prendre le goûter avec elle, on va rester un petit peu avec elle pour passer le 14 juillet ensemble. Et puis, comme ça, ce soir, on va rentrer. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir, hein? Je veux faire un barbecue. On va faire un barbecue et puis on va regarder le feu d'artifice de chez nous, hein, de toute façon. Ouais, si on arrive à le voir. Ouais. Ouais, si on arrive à le voir, ça serait cool. Mais normalement, si, la dernière fois, l'année dernière, on a... En tout cas, ce soir, on reste dehors tranquille, on mange barbecue, on attend la nuit qui tombe, on verra bien. Ouais, on y va pas ce soir, moi j'ai trop peur. Donc voilà, sinon les haricots verts, ils étaient super bons. Ouais, là franchement... C'était trop bon, mais par contre, il y avait un peu trop de fils. Des hein. fils, là, ouais. Ouais, des petits fils comme ça, il y en avait pas mal. On a en faire sans les fils, je crois que ça existe. Ouais, donc du coup, les patates douces, étaient trop bons. Ah oui, on va refaire. Ah ouais, merci Grâce pour... Vous voyez que Grâce, elle a pas mal d'idées pour recettes, petites recettes faciles. Non, franchement, c'était super bon tout ça. Surtout les haricots verts, c'était satisfaisant de manger ce qu'on a fait nous-mêmes. Hein. Donc voilà. Hein.
Bon, du coup, on se retrouve chez mamie. Oui. On se dit à tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. Bon, les amis, petite pause. Dans ce vlog, là, on va vous présenter un produit, c'est un cododo de la marque Baby Boa. Ouais. On a été contacté pour ça, on se dit pourquoi pas, si ça peut intéresser notre communauté. Et franchement, quand j'ai vu le lien, quand tu nous as donné le lien et que j'ai été voir un petit peu, pas mal, franchement pas mal. Bon, déjà, nous, le cododo, on n'a plus l'utilité parce que non. Ewan, il arrive à 9 kilos et je crois que c'est maximum 9 kilos. Ouais. Après, en plus de ça, il dort plus dans notre chambre, enfin, c'est vraiment quand on a un bébé en bas âge. Maintenant, on a accepté parce que ça peut intéresser beaucoup de mamans. Sachant que nous, quand Ewan était encore, même tu étais enceinte, on cherchait un cododo justement. Oui, oui. Et c'est pas évident de trouver un bon cododo. C'est pas évident aussi de trouver. Après, les tarifs sont quand même assez élevés pour les cododos. Donc là, quand on a reçu la collaboration, nous on s'est dit, c'est dommage, c'est un peu trop tard. Ouais, c'est un peu trop tard. Mais franchement, après voilà, nous on l'a accepté. Comme ça, on vous le présente, on vous le fait montrer parce que il y a quelque chose qui a l'air intéressant. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais le monter par rapport aux autres cododos, vu l'expérience qu'on a eue avec le dernier là. On a déjà revendu le cododo, nous. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà eu, nous. Mais ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour ça, on s'est dit vraiment, on va voir. Donc là, on va le monter. Ouais, on va le monter et puis on va vous présenter. Déjà, on va vous faire un retour après, mais normalement, on le monte en 3 minutes. Donc, on va voir si à deux, en tant que jeune parent, avec le bébé qui met la pression ou quoi, on aura le temps de le monter. Bon, là, il ne met pas la pression, mais c'est pour faire. Apparemment, c'est 3 minutes. 3 minutes. Donc, on va calculer ça et puis on va voir ça tout de suite. Okay. Donc, déjà, c'est bien présenté. Regardez, le carton, il est arrivé comme ça. Hein. Il n'y avait pas. Bien protégé et tout. Ouais, bien protégé, ouais. Et le cododo, il est dans un. Et il est dedans. Donc, normalement, il n'est pas trop. Enfin, c'est vraiment pour le monter rapidement. Donc, c'est peut-être pas une tente quechua non plus qu'on jette par terre et que ça se monte. Mais, mais franchement, on va voir. Donc, on va regarder ça. Allez, on découvre ensemble. Ouais. Attends, c'est quoi? Je vais tirer le carton. Vas-y. Allez, allez. Vas-y, t'inquiète. Ça va pas tomber ? Je vais le tenir. Vas-y. Et là, tu tires. Ah oui, d'accord. Oh, tu l'as déchiré. Ah, vas-y. Voilà. Et voilà. Alors, déjà, c'est assez lourd. Ah ouais, tu vois vraiment que. C'est une autre qualité de celui qu'on avait quand même. Ouais, et ça se voit direct. Hein. Voilà. Donc ça, c'est s'il y a un problème, je pense, le retour. Hop. Le manuel d'utilisation, il y a tout le livre. Comme ça, il est costaud. Là, franchement, il est costaud. Bien, le cordage. Là, tu vois, il y a tout là. Ah, tu peux me donner un ciseau, s'il te plaît. Ouais. Pour. Ah ouais, c'est pas mal, là. Les côtés comme ça, en forme de. Ah, là, comme ça. Ouais. Ça, c'est les pieds, c'est pour. Alors, c'est les pieds. En fait, c'est les côtés, ouais. Ce qu'ils mettent en avant, ils disent vraiment que la structure en forme de A. Ouais. C'est beaucoup plus solide qu'une structure en forme de I. Parce nous, ce qu'on avait, c'est I, ouais. Que, ouais. Ce qu'on avait, franchement, ça. J'ai trouvé que par rapport. Quand ça a un peu trop pesé, ça bouge. Ça balance un peu, quoi. Ça balance. Mmh, ça balance un peu. Après, ça donnait, mais c'est vrai que là, c'est un peu plus solide. On voit bien, c'est plus stable et c'est logique en forme de A en même temps. Il y a un panier de rangement en dessous aussi. Là, franchement, c'est. Chose qu'on n'avait pas. Chose que j'avais pas sur les autres. C'est vrai. Franchement, c'est ça. En fait, ça c'est trop idéal. Vous pouvez ranger des couches de bébé, les produits, quoi, les lingettes. Vous pouvez mettre un petit panier en bas avec ça. Et franchement. C'est ce que j'avais pas avec l'autre. Franchement, c'est dommage. Hein. C'est vrai. C'est vrai que c'était un peu embêtant. On n'avait rien. Donc, ouais. Alors, je vais regarder si je peux le monter comme ça sans regarder le manuel d'utilisation. Le matelas est très. Ouais. Ouais, ouais. On va faire un retour sur le matelas après, mais il est pas mal. On va l'enlever après, on fera montrer un peu. J'en ai monté un il n'y a pas très longtemps. Donc, logiquement. Tac. C'est quoi? Je vais pas me prendre la tête. Je vais regarder le manuel de montage quand même. On va faire les choses bien. Bon, bah voilà, il a fini par terre. Un tout petit peu galère. Alors, franchement, comparé à celui qu'on avait, c'était long, tu te rappelles, il fallait tout monter. Le ouais. Là, un tout petit peu galère au niveau des pieds parce que c'est tellement bien costaud et bien solide pour pas que ça bouge qu'il faut forcer un tout petit peu. Mais franchement, voilà, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci.
Et là, j'ai fini le petit panier. Ouais, il y a de la place, hein, franchement. Non, franchement, pas... tu te rappelles celui qu'on avait avant, comment il bougeait? Je m'en souviens comment il bougeait. Regardez, ça, c'est le matelas qui est assez gros. Enfin, le matelas, il est à l'épaisseur. C'est trop bien, le matelas. Il y a pas mal d'épaisseur. T'aimes bien, toi? Il est pas large en épaisseur. C'est juste que, par contre, il est vachement... Tu sens qu'il est bien droit, bien... Après, vous pouvez toujours ajouter un autre matelas. Quoi, c'est dur, c'est vous pouvez ajouter même un autre matelas si vous voulez dessus, mais franchement, ça suffit. Hein. Ça, plus là, comment c'est moelleux, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est ce côté-là, comme ça. Voilà. Donc, voici... Non, déjà, il est plus lourd. Il est vraiment costaud. Et regardez, on va voir. Et franchement... Là, bon, ça, c'est normal. Parce que j'abuse quand même. Quel bébé, quel bébé fait ça? Mais vas-y. Ewan qui arrive au bout, parce que lui, il est presque à 9 kilos. Oui. Déjà, on va voir s'il aime bien. Alors, Ewan? Alors? C'est bien ça? Ouais, oui. Ewan, il peut pas aller dedans, lui, hein, parce que regardez comment il est. Vas-y, lève-toi. Voilà. Ouais. Bon. Là, on a un bébé qui est un petit peu trop, trop avancé. Il est trop avancé pour un cododo, mais imaginez un petit, bon, là, de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Franchement, à côté du lit, va pas te pousser, pas mal. Va pas te Est-ce jeter. Que j'ai l'impression qu'il prend moins de place que celui qu'on avait? Franchement, c'est ce que j'allais dire. Il est moins, au niveau de la place, franchement, c'est moins large. Et c'est Après, si vous voulez faire la même méthode que nous, on avait pour Ewan, c'est qu'on le collait à notre lit et on l'attachait au lit. Ouais. Il y a les sangles. Donc, sangles basiques assez assez costauds. Donc, franchement, si vous le mettez à côté de votre lit, vous pouvez bien le sécuriser, il n'y a pas de souci. T'aimes bien, bébé? Oui. Ouais, il a l'air de valider ça. Franchement, hein. Les cododos, c'est jusqu'à 9 kilos. Et là, même Ewan qui a bientôt 9 kilos, il peut encore y être dedans, je pense, hein. Vu comment c'est costaud par rapport aux formes de A qui est là, là, c'est ça qui est Donc, vraiment... Donc, les points forts, la stabilité grâce à la forme du cododo qui est en forme de A au niveau des pieds, ça, il n'y a pas de souci. Que le I, c'est vrai que ça bougeait vachement plus. Le truc, c'est qu'on peut faire un lit, ça peut faire deux en un parce qu'on peut le coller à notre lit, en fait. Ouais. Et pour le coller au lit, bah, si c'est comme le nôtre qu'on avait, hop, on déboutonne là. Attends, Ewan. Attends, bébé, toi, t'aimes trop te lever. Et là, en fait, on ouvre le cododo. Hop. Vas-y, fais de l'autre côté si tu veux. Voilà. Ouais, j'ai pas perdu, hein, t'as vu? Et là, attention. Ouais, c'est comme ça. Il y a deux clips ici. Attends. C'est juste que là, je peux pas le faire si. Ouais. Hop, je lève. Je mets de l'autre côté. Voilà. Je mets là. Et là, c'est bon. Et là, en fait, vous l'attachez à votre lit, ouais. Comme ça. Le lit, en général, c'est une hauteur, quasi, ça dépend des lits, mais en général, on est voilà. Et il n'y a plus qu'à poser bébé là, à côté. En fait, même là, je trouve que c'est moins haut, parce que par rapport à ce que j'avais, moi, pour assurer Ewan, quand il se réveillait la nuit, j'ai passé ma main et ma main était un petit peu en hauteur. Et là, je trouve quand même il est bas. Comme ça, vous pouvez rassurer bébé en mettant votre main et tout, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Mais non, bah franchement, très bien. Donc j'ai oublié, on a oublié un petit point, c'est qu'on peut le descendre de monter au niveau de la taille. Il y a 7 positions. Regardez, hop, là je suis en position numéro 1. Et vous voyez, on peut monter. Bon après, là on arrive en position 6. Je crois que c'est 7, il me semble. Ouais, c'est 7. Donc vous voyez, c'est assez haut après. Ouais. Bien, donc, après le matelas il est bien confortable, il fait lit de chevet en gros en deux en un, on peut le coller au lit ou on le met à part dans sa chambre et il est très solide. Voilà. Donc voilà, et franchement moi je valide. L'astuce du panier en bas là, ça c'est vraiment, vous pouvez tout mettre, les produits de bébé, body, l'échange, couche, lingette, tout passe. Donc vraiment là, moi je suis très contente, je valide. J'espère que les autres mamans vont... Nous on vous propose. On a accepté pour les mamans et. Leur note, franchement, très bon. Hein, très ah, j'ai regardé sur Amazon. Je vais mettre le lien en description sur Amazon. C'est 4,8 étoiles sur 5. Ouais. Et c'est très bien noté pour Amazon. En général, ça ne ment pas. Et puis, on voit bien que c'est solide. Là, en ce moment, moi, ce que j'ai comme info, hein, j'ai pas plus d'infos que ça, mais je vois sur Amazon qu'il est à 199 € au lieu de 250. Ouais, franchement. Parce qu'il y a une remise de 20%, il me semble, comme ça. En gros, voilà, je vois que le prix barré, c'est 250, quoi, et 199 €. Donc, écoutez, ça me semble convenable quand même. Hein. Et voilà.
de 0 à 9 kilos pour un, bah, de 0, ça fait pas 0 kilos, mais jusqu'à 9 kilos, ça vous laisse, en moyenne, les 5 premiers mois, à peu près, 5, ouais, 6 ouais. premiers là, mois. Là, Erwan, il peut aller encore dedans, mais moi, je suis pas rassurée, parce que quand il se lève, vous voyez comment le il se met. Le problème, c'est que tous les bébés de 7 mois ne se lèvent pas comme ça, je pense. Ouais. Donc, là, non, moi, je le laisserai pas. Donc, voilà, j'espère que ça peut, allez vous renseigner, tout sera en barre d'infos. Ouais, je mets tout en barre d'infos, et puis, voilà. Moi, je valide plus, je valide, tu valides ouais, ou pas? Ouais, je valide, franchement, ouais, ouais, ouais. Je, on aurait eu ça, on aurait été contents. Ouais. C'est dommage que vous nous avez pas contacté, il y a 6 mois. Et, je veux un truc pour la poussette. Ouais, encore ça, tu me diras, parce que là, on va changer de poussette, d'accord, mais, ouais. Mais en tout cas, merci encore. Le monsieur s'appelle Nicolas. Donc, merci encore de nous avoir donné cette opportunité de présenter le produit. Et puis, bah, très bon produit. Voilà. Donc, on vous laisse avec la suite du vlog. Oui. Ouais. Allez, merci. Samy, du coup, on est arrivé chez mamie. Il y a mamie qui est là. Yeah. Ouais, elle est là, mamie. Bonjour, les abonnés. Il y a tonton, on est en train de prendre le petit goûter chez mamie. Voilà. Lenaya, elle a pris du lait, mais alors elle est fan de lait. Elle, hein. Oui, elle tous les jours, il faut son lait. Elle est en train de boire du lait avec les cookies. Ouais. C'est trop bon. Hein. Là, bah, il y a tout le monde. Quoi, ah ouais, hein. C'est trop bon. Donc voilà, du coup, les amis, mamie, elle nous invite à manger ce soir chez elle. Donc ce soir, il n'y a pas de barbecue. On va manger avec elle avant de rentrer à la maison. Ben voilà, c'est ça. Ça va, le bachelier? C'est pas grave, le bachelier. Ça va sous votre porte, là. Oui, même si c'est pas demain, c'est pas perdu. Ouais. Ouais, c'est pas perdu. Non. Bon, les amis, est-ce que vous trouvez qu'avec mamie, on se ressemble? Ben oui, on se ressemble beaucoup, même. C'est pas toi de dire mamie, c'est aux abonnés. Dites-le nous dans les commentaires, les amis. Je dis quoi? Bah, eux, ils vont nous dire si on se ressemble, toi et moi. On se ressemble, ben oui, mais pour moi, on se ressemble. Ouais. Regarde, c'est la même tête. Même Juliette pour voir si tu... J'ai rien. Alors, la mamie est star, elle est là. Ah ouais, elle est star, hein. Je suis star, moi, toujours est star. J'en peux plus. Bah oui. Mamie star, toujours star. Ah ben bah oui, hein. Ouais. Un petit jeu avec tonton, vous jouez à quoi là? Baccalauréat. Franchement, ce jeu il est trop bien, ça joue à plusieurs. Ça. Ouais. Regardez, fleur de mamie, elle a reçu. Ah ouais. C'est joli. Hein. Des roses. Et nous, on est là-bas. Et il y a monsieur là-bas. Ah, regarde tes jambes. Ça dégue. Le footing de ce matin, il m'a... Il t'a tué? Ouais. Il t'a mis KO. J'attends un ou une abonnée pour venir courir. Ah oui? Ouais. Ah, j'allais dire, t'attends un ou une abonnée pour venir te masser. Ah oui. Bon, j'ai pas pensé, mais... Ah ouais. Fais attention à ce que tu dis quand même, parce que ça va pas se faire. Hein. Non, non. Ou le professionnel? Non. Non? J'ai pas le droit, là. Ah là là. Ouais, les amis, on se retrouve beaucoup plus tard. Il est 19h53. Il y a bébé Ewan, il a fait sa petite sieste. Ouais, du coup, on est toujours chez mamie. On va manger là. Elle a fait une salade de pâtes, donc là, on va manger. Il y a mon neveu qui est là-bas, Isaac, avec Jérémy. Donc voilà, une petite salade de pâtes pour ce soir. Là, genre, il doit faire combien? Il fait encore super chaud là. Oh. Pourquoi tu cries? Que les amis. Donc c'est bon, on va mettre mamie est en train de mettre la table. Enfin, tonton. Tonton et Loan. La table. En train de mettre la table. Ouais. Le pain, il a l'air super bon ton pain là. Hein. Salade de pâtes de mamie. T'as mis quoi dedans, mamie? Bah, j'ai mis. Mozzarella, tomate, œuf, pâte et viande râpée. Voilà. Viande râpée? Ouais. Ah, les morceaux de. Tout râpé, tout petit, petit. Ah, râpé. C'est pas des genres de jambon là? Ouais, mais ça fait des jambons, mais ça fait tout petit comme des gruyères râpées. Mmh, ah bah on va bien manger là, mamie. Vas-y,
Vous allez bien manger ça. Ouais. Bon, vous avez là tomates, des œufs et des pâtes et les dents de rapis. Ouais. Voilà. Et le verre, il faut aller chercher le verre. Bon, en tout cas, ton pain, voilà, il a l'air super bon là. C'est bon, Jérémy, là. Donc, tu vas bien. Avec manger. Cette chaleur là, il n'y a rien de mieux qu'une salade. Hein? Voilà. N'est-ce pas, tonton? Ouais. Bah, pour que tu ailles chercher les bouteilles d'eau, Lily. Une salade de pâtes. Tu... Par un peu. Tiens. Merci, papa. Bon appétit. Merci. Bon, je suis tout. Cracra, voilà. Donc là, les amis, on a fini de manger. C'était super bon. Les salades de pâtes de mamie là, qu'elle a fait tout à l'heure, c'était trop bon. Là, on digère tranquillou dans le jardin. Il y a bébé Iwan et Jérémy qui sont là. Regarde un magazine. On est en train de regarder le catalogue de l'école. Je vais retourner la caméra. Attendez. Elle voudrait quoi comme ça que... Attends, j'ai mis mon téléphone dessus. Elle voudrait quoi comme ça pour la rentrée? Alors moi je veux utiliser celui-là là. Ouais. Sachant que elle a gardé pendant 2 ans le sac Little Marcel là. Ouais, 9. Donc madame elle va rentrer en CE2, donc du coup elle a envie de changer de cartable. Donc ouais. Je te préviens ma fille, ça là c'est normalement c'est du solide. Donc tu vas aller jusqu'au collège avec. Ça te va? Ouais, ça me va. Tu vas même terminer l'année de collège avec. Ouais. Le noir. Oui, mais toi t'as toujours tu changes toi. Bah. T'avais un sac Ispa qu'elle lit. Jérémy est en train de chanter une berceuse. Tu chantes fort et ils t'entendent pas les abonnés. Ils chantent un petit lapin. Un petit lapin. Et là, Loan va dessiner. T'as écrit quoi en fait sur ton dessin là? Il est pas mal le truc à 4 ans là, on peut voir. Il avait acheté avec son passe culturel. Ah oui, le passe qu'il avait avant. Ah, c'est super beau, hein, ces crayons là. Avec ça, je vais faire un trop beau truc. Il y a de mon spécialité. Là, j'ai pas du tout fini. C'est quoi là? C'est écrit quoi là? Ewan. Ah, c'est pour mettre derrière la porte. Lily, soit toi. Ouais, soit je mets derrière la porte. Mettre là, c'est super joli hein, sur le truc à 30 ans là. Hein. Ouais, en plus, il y a même du blanc, c'est trop bien pour faire les reflets et tout. Mais par contre, ça bave. Ça bave. Ah bon? Oui. Il y a des grosses mines, des moyennes. Ouvre. Il y a des grosses mines, des moyennes et des... Là, c'est les... Et là, c'est les meilleures. Là, c'est les grosses. Comme ça. Ah, il y a deux côtés? Non, il n'y a pas deux côtés. Ah, re les amis, du coup là on se retrouve, il fait beaucoup plus noir, ça baille. il est un peu plus de minuit, les enfants sont cassés, Ewan il dort, bah les autres vous ne le voyez pas parce que il fait trop noir, et moi non plus on ne me voit pas trop là, c'est bizarre. On voit plus les yeux. Ah non, il y a plus ça, bientôt ils vont couper les lumières. Ouais, ils vont couper là. Et je te mets là sur toi, peut-être qu'on te verra mieux. Bah, tu sais, je sais pas beaucoup mieux. Ah, feu vert, moi. Ouais. Donc, j'espère que cette journée avec nous chez maman vous plaira. Ah, bah, nous, chez nous, ça y est. Oh là là, bah, les minuit, ils ont coupé la lumière chez nous. Il va faire tout noir. Je dis pas le mot. Ça cligne, tu peux y aller. Donc, voilà, les amis, nous, on va clôturer le vlog ici. On va rentrer, on va dormir. Vous verrez le vlog bah, le dimanche, quoi. Ouais, on sera toujours en train de dormir du coup peut-être. Donc voilà les amis, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Bisous, bonne nuit pour nous. Oh là là, on voit vraiment rien.